plaisir nous anime chaque jour de pouvoir vous accompagner de partout où vous êtes. Chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité sur Congo Live Télévision. Et bon début de semaine à vous, chers internautes. Alors, grande ma joie de pouvoir recevoir pour vous, ce sera pour la première fois le docteur Kakonde. Il est le défenseur de la République. Avec lui, nous allons devoir parler de la révision constitutionnelle, mais aussi, vous êtes sans ignorer qu'il y a, la tension entre deux figures religieuses influentes. Le pasteur Claude Kabundi Walesa accuse son confrère, le prophète Denilis, d'avoir comploté contre lui. Nous allons devoir aborder ce sujet, vu que hier à l'église, il y a pasteur Kabundi Walesa, tout le monde est en présence, il y a docteur Kakonde, présent. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons devoir suivre avec cette question. Il y a six questions sécuritaires. Alors, je disais tantôt que je suis avec John Kakonde. Il est le défenseur de la République. Bonjour, docteur. Merci. Merci beaucoup. Ça fait belle lurette. Vraiment. Au mon anité, au Lukingati, au Fuyenga. La Lukia, la torche. Parce que au Mouningaï, na Bilili, peut-être la vie, donc, mais... mon anité, on attend la Moukinabi. Non, pour vous donner information sur pas. Docteur. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour la interview tout ça là. La personne qui internaute au bas de la vie à toutes les chaînes ou émissions pour les cas. Une pensée et une salutation à la bande de Kounioso au Sambela qui n'a pas en lobby, dans l'église Wana, il y a centre de réveil charismatique, la pasteur Walesa. Mais ici, je suis un défenseur de la République. Très bien. Défenseur de la République, pour défendre ma action, il y a la République, le chef de l'État, il y a ma ministre, il y a ma DG, même le serviteur de Dieu. Mais Nazaki n'a aucun maming, comme on a méchanceté. Moté malikundu, moté maya, l'esprit de Luc, Oyo, ma chef, il y a de Kocho Tunawa. L'ex-prophète, soi-disant de la nation. L'ex-prophète n'existe pas. Il est prophète jusqu'à présent. Nous savons qu'il est prophète. Je pèse bien mes mots. L'ex-prophète. Oh, si quoi, le quoi, ex, comment est-ce qu'on a? J'ai dit l'ex-prophète de la nation. Nazaki na Sony. Nazaki na Kanda. Je ne pouvais pas permettre et accepter que Bato Bazak ou dirigeait Mili Mounabiso puisse tomber trop bas, puisse arriver à ce niveau-là. De la méchanceté, de la cupidité. Un niveau. Ok, à tabapaye, beaucoup comme on va niveau. Tout le monde a compris ce qui s'était passé. Tout le monde a vu ce que Bakambo et les Kaki, tout ce qu'on a pu. Au Tchien, à Kati, à Ojo, au Toyoka Kilobi. Place dans la guise, j'étais mouillé. Mais, Benny, les salobis, il y a Tina qui bangote, il y a Bangote, il y a Bangote, il y a Benga qui est, il y a Contacta qui est. Je voudrais qu'on aille dans les contextes. Allez. Nous étions tous surpris. Il y a Koyoka, Baudio, d'un complot, d'abord d'assassinat, contre un serviteur de Dieu. Je parle bien d'un serviteur de Dieu. C'est un soi-disant serviteur de Dieu qui s'attaque contre un serviteur de Dieu, le vrai. De deux. C'est ça le malice de l'ennemi. Comment les hommes sont en soi-disant, au pourri qu'on organise un complot pour avoir comme besoin de Kanaka Tandok Moussouli Golovani. De quoi aller ça, Azana et Tonganae. À côté de Kanama Kamaba tout. À côté de Kanaba, conflit. Oh non, là, il vous n'a pas bishop, tribishop, quadribishop, à côté de Kanama Kamana. Mais c'est quelqu'un qui a fait des actions dans Kachamboka Oyo, donc tout est la autorité. J'essaie de fuir. L'évangéliste Walesa a sali ça triomphal deux, trois fois, quatre fois. Attendu ça triomphal. L'évangéliste Walesa seul, quand je dis seul, ça dit avec maman Gèle, que je salue, sa femme. M'attendu ça, sa femme, m'attendu ça, ça de martyr. Le serviteur de Dieu. Azaki sponsorisé, parce qu'on a vu. Quand on a vu ta musique, on a sponsor ceux qui brûlent l'image, ceux qui brûlent le Congo, tout ça. Mais un seul homme,
on a la confiance à peuple. Et c'est celui le vrai prophète. Celui qui a convaincu le chef de l'État, d'après les instructions spirituelles, que Aleka va dédier, va dédicacer la République démocratique du Congo à Maman Kwanzambe. C'est revendiqué ce qu'on doit aller ça. Tout le monde a un COVID dans mon cas. Allah, là, dans ma belle, dans la carte à maille et salité, il y a pas que ma maman n'y soit. Excuse-moi, je ne voulais pas aller là-bas. Mais n'y soit n'y ait ouana dans la première rue. Moi, j'étais là. Je suis allé à Poto, je suis allé à Poto. Le lendemain, je suis allé à la frontière. Mais j'ai vu les images. Dans ma salité, ma nyo, ma caca, les extrêmement humains, il a dormi dedans et il a fait une déclaration. Quand on a dit que maladie, que comme ma grippe à Pamba, maladie, le robot matin, maladie, que si le mandat de Bandaki, ça s'est réalisé. Ce que je ne peux pas comprendre, qu'une déclaration a délire ici, excuse-moi, trop c'est trop. Nous avons des problèmes majeurs, nous avons occupé Mboka, je voudrais qu'on s'arrête là. Que les sous-peuples de Dieu désordrent la pampa, des interprétations, des distractions qu'on n'a pas besoin. Si l'évangéliste Kabundualesa est sorti, est monté au créneau, il a crié, il a dit, maintenant ce qui va arriver, arrivera. Je pense que c'était une bonne décision qui devait prendre. Mais il n'y a pas ça tout le temps sur les réseaux sociaux, dans l'actualité tout le temps. Là, il faut que Monaki a monté Pelé qui est un bâtiment. Quelques influences, les gens qui font des baises sur les réseaux sociaux. Tu es très intelligente, Madame Estime. Merci beaucoup. Dans les audios, on a compris que tous ces TikTokers là, va passer par 500 dollars, parce que le chômage pèse au bétabatou. Pour tous, 500 dollars pour partager le faux bruit. C'est punissable par la loi. Distiller le faux bruit. C'est possible de 4 à 5 ans d'emprisonnement. Donc, vous avez fait ça, 500 dollars, voilà. Mais c'est il y a la tête intellectuelle. Et bien, vous savez, bon, c'est pasteur Denis Lessi. Ex-pasteur Denis Lessi. C'est moi qui l'ai dit. Bon, à Bazo, le Babien, Kazoua, Kimbo, Mapessa, Gibisson, même d'autres TikTokers, c'est toujours moi. Maintenant, il y aurait des plaintes un peu partout. J'ai suivi Denis Lessi hier à 21h, à cette vidéo, où ils ont dit qu'on s'embrouillait mon corps dans le vomi. Il y a eu sans azako s'embrouiller. Dans ma cambolebi, moi si j'étais son conseiller, j'allais lui dire des conseils comme ça, tu ne peux pas le faire. Une émission comme ça. Parce qu'il ne sait pas. La République, Bazako, reprochait une ligne. L'État, le procureur général de la République, de ce secteur, cette juridiction, doit se saisir de ça. Parce que, un, il y a tant de lapideurs. Il y a crime à bande organisée, il y a diffamation, il y a tentative d'assassinat. Nakata Magambouana. Comment il peut. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut dire, Bazolinga a escroqué de la cupidité, l'escroquerie à bande organisée. Tout ça, ce sont des faits où Denis Lessi doit pouvoir répondre. Et il y aura des plans de sécurité. Comment saisir déjà justice? Moi, l'évangéliste, désolé. Ça, c'est son droit. Quand vous le verrez, on retourne les questions. Mais quand j'ai suivi hier, il y a eu un procureur de la République qui a démontré ce que je vous dis. C'est un procureur qui était fâché, qui a vu que c'était de trop. Deuxième moment, il y a eu le fils biologique et le fils spirituel de l'évangéliste, même adoptif aussi. Ils se sont dit qu'ils vont déposer plainte. Regardez, nous avons des problèmes déjà avec ces gens qui font la honte de la République, comme Jacqueline Dalla, comme Dissocha aussi, c'est Dissocha, et ainsi de suite. Mais ah, maintenant, on a encore des problèmes. Non, on ne l'a pas dit de nous défendre. Le chef de l'État n'a pas demandé, il ne connaît même pas ces gens-là. Là, je peux frapper la poitrine par rapport à moi, qui le connaît personnellement. Comment ces gens-là, qui ont été aussi utilisés par les gens mafieux et catumistes, tout ça nous sommes au courant. Alors, ce que je peux demander à M. Denis Lessi, s'il a encore le bon sens, même pour sa femme, qui l'a envoyé à Nakatia Babouzo Bahana, et bien ça, la émission, moi, si le baboye, la pauvre. Donc, moi, si n'est pas côté Marambango. Et à côté, moi, si Nakatia Babouzo Bahana, alors que ce monsieur n'a pas de scrupules, n'a pas la hauteur, donc, on m'a permis à l'évangéliste que vous voulez ça. Et il n'est pas le seul pasteur. Le pasteur basé à Belen à Kachamamasolo,
nous, quand nous montons au créneau pour dire ça doit s'arrêter en tant qu'un homme politique, en tant que fils de ce pays, en tant qu'une autorité de l'Union sacrée, nous devons, nous visons. On va changer de chapitre. Surtout, je suis le paricochet du chef de l'État, le seul et l'unique. Je sais, et ça, moi, je le sais. Avant de changer de chapitre, et nous, on ignore que le bateau, le Hollande, ou soit carrément. Naba serviteur de Dieu nyosa oh baza censé ya romema bandimi na présence sansa meme ba koti na ba bêtise ba komi ko meme bandimi li ba meme ba tuna présence ba komi meme so na ba distraction inutile parce que tout à l'heure auto le baque ba pasteur mele baza cité na dossier wana et l'on yoko ko loba ba pasteur wana c'est une honte d'abord pour la majorité des pasteurs au Congo je dis que c'est une honte mukanda zambelobi Bokoye babango, le misala na bango. Et l'autre parole de Dieu dit, laissez livrer le blé, grandir ensemble. Là, nous voyons maintenant, qu'est-ce que c'est livrer et qu'est-ce que c'est le blé. Alors, pour ceux qui sont là, qui ont encore le bon sens, c'est-à-dire d'éviter l'esprit d'infidélité. Ok. Faut pas. C'est ce qui tue beaucoup de pasteurs. L'esprit de cupidité. C'est ce que nous sommes en train de demander, de crier à tous les pasteurs serviteurs de Dieu. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État, c'est aussi un grand serviteur de Dieu. Parce que ce qu'il avait fait comme action. De dédicacer le pays au sein de martyrs dans Maman Kwanzambe sur l'instruction prophétique de l'homme de Dieu, évangéliste Kabundi Walesa, ministre de défense du gouvernement céleste, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, il y a une polémique, mais qu'on laisse un peu de laisser calme. On a encore beaucoup de problèmes dans ce pays. Nous allons en parler maintenant. Très bien, on va parler maintenant de la République. Remaniement, le président de la République avait dit que c'est prévu pour le mois de décembre. Au mois de décembre, au Kébité Torozala, Bongo, tout le monde a bon remanié, mais que ça, au niveau du gouvernement. Alors, ma question est de savoir, Dr. Kakonde, citez-nous quelques ministres. Jusque-là, comme c'est plus de 100 jours, comme il faut, c'est la moussala bien pour ceux qui peut-être sont dans le remaniement, pour la bongo reconduit. Voilà, citez-nous quelques ministres et puis ma moussala na bango. Mais si, yo, ma question de l'autre. Oui, très bien, parce que je suis de France de la République. Je vais vous citer quand même 3 ou 4 ministres. Allez-y. Otomoni, qui font un travail exceptionnel. C'est vrai que ça fait aussi. Un tabac où beaucoup de ministres que nous avons sollicité des audiences à cabinet Nabango Bazako bloqué. Entre temps, on a besoin des éléments probants, des éléments de la réalisation Nabango. Oyo, biso photo loba. Mais Toko Bande d'abord, na Constant Mutamba. Oyo Monique, c'est un jeune qui est dynamique. Sur le plan, il y a Makambo Italie, justice Nambo Kanabiso. Je suis aussi défenseur, il y a syndicat, il y a magistrat. Okay. On va y revenir. Très bien. Les magistrats ne l'ont pas humilié. Ça, il faut être d'accord. Dans le milieu, Azali Kolona Bango, je vois très mal qu'un subalterne a humilié chef. Mais on est salamat. Non, c'était pas dans le contexte. Ce que les gens disent, c'est autre chose. Mais on va y arriver parce que je vais poser des questions. On a vu Constant Mutamba, on a vu l'innovation dans ce secteur-là, surtout pour le problème, les autres, le conflit foncier. Et c'est vrai, nous avions aussi sollicité une audience avec la ministre des Affaires foncières, Mme Bandouboula, que ce cabinet nous avait reçu. Nous attendons encore tout le temps en aller parce que je vais aussi la citer parmi ma ministre pour démontrer Moussa Bazoussala. D'abord, je citais Constant Mutamba qui continue à travailler parce qu'il faut que dans ma campagne affaire foncière à Mapango, il y a des magistrats au Bazali dans le niveau
basali on dirait conglomérat na bango ya ba miyibi bazo travailler na ba avocat na bango bazana ba policier na bango bazana ba colonel na bango bazana ba général na bango donc ces gens là que ce soit na banini ebele pour se faire Constant Moutambe est en train parce qu'il est du domaine il y a qu'au démasqué batignon son petit à petit alors quand nous revenons maintenant par rapport il y a ministre de la défense Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mouadjanvita, Bouchard Abomba Kabombo. Il ne fait rien, absolument rien depuis qu'il est là. Non, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Posez-nous la question. Allez-y. A vous, tu connais la tournée. Il est encore en train de faire les tournées. Azalaki na Ituri, Azalaki na Bazouele, Azalaki na Kassai, Azalaki na Katanga. C'est quelqu'un, c'est un érudit, c'est un vertébré, c'est un dur à cuire. Si le chef de l'État prend des fonctions comme Netchouana, après si mon Netchouana, un IDPS pur, je puis dire un IDPS de pur sang. Parce que ça, un IDPS, ça va tronquer, ça va. Mais cela, c'est un IDPS pur. Quand le papa Tshisekedi a copié sa mission de testament politique, il nous a dit n'ayez pas peur. Et ce monsieur n'a pas peur. Mais nous donner une personne. Un UDFS pire. Est-ce qu'il y a un des en besoin d'un Il y a un des C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous voulons avoir je parle d'une personne. Il est allé. Mais depuis qu'il est là, d'abord, il a fait un état de lieu. État de lieu, l'Union Colombanine. Quand tu es en fonction, l'Union Colombanine, le passif est Zahirini, l'actif, et puis la projection. À qui est-ce qu'il y a Ituri À qui est-ce qu'il y a Nani Gomagnon Swana. Alini Koyeba, quels sont les besoins d'abord de la population? Quels sont les besoins des militaires? Quels sont les besoins de l'armée? Tozawapi, Tozokendewapi, avant de prendre des mesures, Zidouane. Dans le lobby, il est allé passer une nuit, il a fait plus d'une semaine là-bas. Aussi longtemps que Jean Bermé n'a jamais passé trois jours là-bas. Je fais seulement un petit parallélisme. Et quand quelqu'un arrive à détecter, bon, voilà, tu as besoin de matériel militaire. Je ne vais pas citer les noms ici. À cause de la drone, à cause de tout ça. Ok. Il faut quoi? Il y a les moyens. Les militaires qui vont au front. Est-ce que les militaires, parce qu'ils sont bien traités, si vous voulez qu'un esclave vous rende service, vous devez lui masser les épaules. Ça, c'est un proverbe français. Et ce qu'il a fait, il est en train d'aller dans des zones où il y avait des conflits. Dans des lieux où il y avait l'insécurité, c'est pour amener une nouvelle politique. Et ce sont des gens qui doivent travailler en coulisses. Lui ne peut pas faire une politique spectacle, avec Moutamba par exemple. Mais lui, c'est une politique bien rassurer la population, de chercher les voies et moyens pour réussir sa guerre. Oui. Donc, on le dit, le lingue, le magistrat, le baki, que Moutamba, pour alimenter juste les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans cette logique-là, mais vous devez savoir que le monde est dirigé par les médias. Très bien. Si vous faites des choses et que c'est méconnu, maintenant nous sommes en train de parler de Guy Mouadjanvita. Je vous cite un peu 3-4 ministres. Mais maintenant, parce que vous êtes venu à la source, je vous donne les informations, bien que nous avons sollicité l'audience jusqu'à la PCB soit en côté, mais nous avons des informations de ces tournées. Au moment où je te parle, il est à cheval, il est en train de faire le travail au Bapesaki. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les bureaux, il plaît. Bien que c'est un nouveau bureau, à Pemeni, à Nani, à Saint-Quentin, mais il ne reste pas dans ce bureau-là, il est sur terrain, effectivement, c'est ça son travail. Pourquoi ne pas l'applaudir? Pourquoi ne pas l'acclamer? Parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui connaît le besoin. Alors, moi, ce que je veux plaider au chef de l'État, mais le chef de l'État fait un très bon casting. En prenant, dis-moi d'invite, excuse-moi, à le mettre là-bas, parce qu'il est en train de rendre le travail. Vous voulez qu'aller dans la télévision, c'est bien bon. Le Béti, combien de M23 sont arrêtés? Combien de villages n'actifs de Guy Mouadjanvita? Je peux dire, dans ces 100 jours, il a déjà fait beaucoup. Ma village est bien, ils ont récupéré. Dernièrement, au moins, il faut aller dans Bandundu. Au moins, il va tout sur Bandundu, il faut remettre les armes. Que ce soit PLS et la République, il y en a qu'on a arrêté, il y en a qui se sont. On a arrêté même les Blancs. On a arrêté même les étrangers qui sont là-bas. Mais Bounagana, où en sommes-nous? Ça, c'est une stratégie militaire. On ne peut pas parler comme ça à la légère. Quand vous êtes ministre de la Défense, il y a des choses, je ne sais pas, lui n'est pas dans la politique spectacle.
Okay. Il ne doit pas passer tout le temps pour faire des déclarations. Nous sommes là pourquoi? Pour ça, on a mis sur les amis. On regarde quelle information ton copain ça. Et toute l'autre information, on ne donne pas parce que c'est sur le plan sécuritaire. La sécurité n'a pas de prix. Et un monsieur comme ça, qui prend le risque, qui va dormir dans de mauvaises conditions, qui roule avec des avions, peut-être qui ne sont pas en bon état, il prend le risque d'abord de sa vie. Donc c'est la République, il faut l'acclamer. Dis-moi, Janvita, bravo à vous, avec vos cabinets. Mais nous voulons avoir encore des éléments pour pouvoir parler. Parce que, voilà, vous étiez à Bajouélé, vous étiez à Nituri, vous étiez au Katanga, hein, vous étiez à Mujimaï, un peu partout. Nous suivons ce que vous faites. Mais la République vous est reconnaissante. Voilà, parmi les ministres, on a Rolinga. On peut compter sur lui. Nous comptons sur lui. Par rapport à la... Ce n'est pas un peu cette hésitation. Moi, je compte sur lui. Parce que je sais que, connaissant la personne, connaissant la moralité, connaissant que, quand je te dis IDP Spirit, c'est-à-dire que les élites congolais de père et de mère, de 100%, qui ne peut pas aller collaborer avec l'organisme criminel pour, comme les Katumbi, vous avez vu, ils ont fui. C'est grâce à la défense et à la sécurité et à nos services de la mer qu'on a vu que le monsieur là, il était en train de préparer le loco Mabé, Katumbi. Nous allons revenir parce que nous avons la parole. Oh. Troisièmement, nous avons Madame Bandobola. Madame Bandobola, dans ces 100 jours, je peux dire, elle a fait des actions terribles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en régime, parce que vous avez 6 ans. 6 ans déjà, donc, vous avez été en régime. Vous avez été en Mayom. Vous avez été en Congo central. Il faut y avoir. Le régime Kabili, si qui quelques villages, plus de, je peux dire, 5 ou bien 20 villages indo-pakistanais, dans le Libanais. Toujours, vous accusez toujours régime. Je vous donne l'information. Kabili. Non, je vous donne l'information. Ça, ce sont des choses que vous devez vérifier. Mais pose-moi la question. Le parrain du chef de l'État, il y a une information rapide. Mais je vous dis que la République était déjà vendue. Les Indo-Pakistanais, qui sont dans le Congo central, ils vont acheter tout le monde. Exemple, Basombi Kasavubu, Komina Kasavubu, Basombi Komina Kitambo, Basombi Komina Lingwala, Basombi Komina Kinshasa, Binokutu Boyimi na Binote. Mais ils ont la propriété, document propriétaire, il y a acheté un Réunion. Mais comme Madame Bandoubou la Côte, Atali Makamouana, non. Mais c'est quoi ça? Madame, nous on a déjà acheté. Vous avez acheté auprès de qui? Donc elle a dû prendre des mesures salutaires. Pour nous quoi? Elle a récupéré. Pour récupérer ça. Parce qu'il y a une procédure. Comment on a dû vendre ça? Makamu Mingya Mapango. Regardez comment cette dame travaille avec, en concomitance avec M. Mouta, même ministre de la Justice, parce que le problème est belé. Je vais espace à l'État. Là, je peux me rappeler Kokonyang. Kokonyang a été cati, ma place, ils sont en tocola dans les jardins d'enfants, des jeux, à très grave blanc. Parce que Kokonyang est déjà un kabiliste. Maintenant, nous avons un grand problème de récupérer. Kenen à Gombe, pendant que Mingi à Gombe sont vendus, ont été vendus. Madame Bandou est en train de faire un travail stratégique. Il faut avoir d'abord la force, l'intelligence et le courage d'arriver. Parce que je dis, c'est un organisme terroriste. Donc, le ce qui remanie, mais Salami, les trois ministres que vous avez cité Neba Ozonga. Non, nous avons pas. Ouais, super. Peut-être avant de continuer. Le ministre des Finances, Doudou Famba. Doudou Famba. Non, mais ce monsieur. Ce monsieur m'impressionne. Il a trouvé Bambongo Bélé. Là, il venait de sortir 250 millions. Bon, Abandelagnon sur la République. Pas ton Gayango. Mais ce monsieur a dû amener 4 projets. Il y a restructuration. Il y a budget dans le cannabis pour rassembler Bambongo et Nakata. Comment le faire? S'il n'était pas encouragé, il devait spire. Mais quand vous voyez ce monsieur, il est attaqué partout. On regarde qui devait regarder l'Assemblée nationale. Il est resté serein. Azakota la Bango, Abi Bazabana. Parce qu'aujourd'hui, au moment où tout le monde est dans le c'est quelqu'un qui est très intelligent, d'une hauteur, d'une valeur intellectuelle
Mais tu sais que la République est en bateau. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, docteur, que la PIO et gouvernement, et ça, ceux qui n'ont plus de 5 ans, et ça, 5 ans, je crois 57 personnes comme ça. Ma gouvernement, vous avez cité que 4 personnes. Jusque-là, bah, il y a un en République, bah, salam, salam, bah, malam, seulement 4 personnes. Ce que dites-nous, dans 4 ans qui restent là, est-ce que payer comme il m'a vraiment dans le chaos? Non, mais c'est là que le bango, le pays est dans le chaos. Le pays était dans le chaos. Le problème du gouvernement, c'est un problème collectif. Parce que nous avons tous les quels sont les ministres qui se sont distingués l'exercice en salle en avant. Mais il y a des ministres qui, bah, sont intelligents, mais qui ne suivent pas le. Donc, ça, le nom de salaire, il y a Mme Soumino. Je souhaite peut-être, par exemple, ministre de l'ITP, M. Glissaro. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Il est aussi de l'Union Sacrée. Est-ce que moi, je peux applaudir M. Glissaro dans le nom? Et je me pose la question, par quelle magie M. Glissaro a été reconnu dans le gouvernement? Alors, dans le gouvernement, il y a Orion, et que vous avez reconnu. Tant la Banzela. Il n'y a pas longtemps. C'est vrai que la responsabilité est partagée. Mais il y a des routes urgentes. Oh, il ne faut pas ça là. Monsieur Guissaro, il y a une route qui est à la Mambouge, depuis qu'il est rentré, tu as évité. Mais s'il y a des routes, vous avez dit que c'est la République Guissaro qui est dans la Litikuna. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, urgemment, que ce soit Basso de Mouton. Regarde quand tu abordes au côté de la Basso de Mouton, avant au côté. C'est le chef de l'État qui doit quitter son bureau pour venir arranger ça, alors que le ministre va rester dans son bureau IP. Moi, ça m'énerve. Très bien. Je dis que je suis le paricochet du chef de l'État, le seul et l'unique. Je ne peux pas permettre que, quand vous arrivez sur le rond-point de Zuléry, au Moni, là-bas, l'outil, rond-point de Zuléry vers Beaumarchais, je suis passé avec la voiture, là-bas, la voiture est cassée. Ce qu'on a dans la cabine, même des petits trucs comme ça, Guissaro a les cacahuètes. Pourquoi Guissaro ne nous aime pas? Quand il dit nous aime pas, il n'aime pas les Congolais. Les Congolais en général. Pourquoi il n'aime pas le chef de l'État? Pourquoi Guissaro n'aime pas le gouvernement? Je l'ai dit. Mais ça, c'est le gouvernement. Mais il ne travaille pas, excuse-moi. Il ne veut pas communiquer. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait. Au moins, à qui on a un record là-bas, à qui on a un salut, oui, les travaux avancent. Mais ici, dans la capitale, Batoazo Tambola, dans la Balabala, qui est dans l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, mais tu ne peux pas passer. Mais c'est une route d'urgence. C'est parce qu'on amène les enfants, même de prématurés, là-bas. Très bien, docteur. Nous allons chuter, mais j'aimerais que nous puissions chuter par cette question. Il y a constitution, Ozobeta Bongo, Mamoutou, si tu n'as pas de Bongo, mais tu n'as pas de Bongo, les opposants, si je veux ça, la Bongo Mamoutou passe. La révision constitutionnelle, vous faites partie de l'Union Sacrée, vous êtes derrière le président de la République. Êtes-vous pour la révision constitutionnelle, les changements, la modification constitution politique à la Bongo? Non, moi je suis le défenseur de la République, du changement de la constitution. Oh là. Et je l'ai dit la motivation. La motivation, c'est quoi? Je vais m'expliquer. Allez-y. D'abord, qui est censé croire que constitution Tozanango peut être révisée, peut être changée? Qui peut commencer le débat? Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un ministre. C'est l'UDPS. Non, même pas l'UDPS, même pas PPRD. Mais c'est moi, on a l'UDPS, c'est Banine, on a l'UDPS. J'ai lu d'abord l'article 218 de la Constitution. Très bien, allez. C'est une émission très pédagogique. Badoubazan Andok Balanda. Très bien, allez. Qui peuvent initier l'article 218 de la Constitution congolaise? L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction de la population évaluée à 100 000 personnes. C'est-à-dire que là, nous sommes à peu près
100 millions de personnes, quand nous prenons au moins 10%, c'est-à-dire que 100 000 personnes, bah, quoi qu'on soit là-bas, bah, même 5 000 personnes, bah, quoi qu'on soit là-bas, ma signature na bango, bah, quoi qu'on soit que la constitution puisse être modifiée. Ça, nous parlons de la modification. Je ne touche pas encore du changement. On n'a pas dit que l'opposition peut se lever aussi le matin. Bon, nous, là, on peut changer la constitution. On n'a pas dit que l'église catholique, ou l'archevêque, ou le bishop cardinal, Mutombongo, ou bien... Mais ils sont contre, non? Ils peuvent être contre, on s'en fout. Ils ne sont mais pas... Mais que... Ils ont la vie, Seigneur, c'est pas pour, pour seulement les gens de l'Union sacrée. Mais comment non, ça, on ce n'est pas l'Union sacrée qui a commencé l'émotion. Je dis bien ici, Mutombongo, Koyeba, que constitution, à quoi que ça la proposition, ce n'est pas l'Union sacrée. On parle du président de la République. Mais bizarrement, tout le monde est en bateau, il y a une union sacrée. UDP précisément. Non, ce sont les gens qui sont mal orientés. Okay. Les gens qu'on a donné un peu d'argent pour bah, déformer les formations. Ça, c'est la donc, constitution. Kabuya. Kabuya, c'est un Congolais. Il a le droit de mettre un avis, comme je suis en train de mettre un avis. Mais il veut parler au nom de l'UDP. Il peut parler au nom de l'UDP, ça ne nous dit rien. Ce n'est pas l'UDP, ce n'est pas une institution de la République. Ni prenez-nous en charge, ni PPRD, ni comment, ni la Mouka, ni SID. Bazali, ba institution de la République, t'es. Awa Balobi, il n'y a que le chef de l'État, le président de la République. Il y a les deux, trois chambres. Par exemple, le Sénat, peut-être l'Assemblée nationale, hein, ba chambre wana. Peut-être Ezali, 100 000 personnes. C'est-à-dire, sur 100 millions de personnes, on prend 2%, on fait les signatures, on amène ça. Ben, examinant, on peut commencer à commencer le changement de constitution. Alors, on revient maintenant sur Maman Alikam. Le bâtonnier Wamba Diawamba, à l'Eliboué, parce que il y a l'article 220. Oh, le bâtonnier là-bas, ils ont verrouillé. Comment on va changer? Oui, ils ont verrouillé. Ils ont verrouillé. Mais exactement. Maintenant, ce qu'on a 16 ans à Kabila, vous avez vu combien de fois il a fait le changement constitutionnel Nakachamanino. Il y a des décrets constitutionnels qui doivent changer 6 fois. Constitution. Mais vous avez besoin qu'on vise déjà ça dépend de ce que nous cherchons dans Makamboy. Cette émission est très importante, vous allez comprendre. La constitution de la République est taillée sur mesure par rapport à la population et au vécu Yabat. Au moins avant qu'on fasse l'émission, on a recadré le cadre. Non? Si le cadre n'était pas approprié, les grands caméramans à l'ingénieur animaté ont dit non, non, non. Parce qu'entre-temps, Aza, ingénieur de son, Aza, l'éclairage, tout ça. Donc, c'est lui qui fait l'appréciation. Nous, nous sommes que des exécutants. Oui ou non, monsieur le caméraman? Exactement. Il s'appelle comment? Atoms. Atoms, le grand caméraman. Petit Kendeli Bosso. Bakolo Kosko, mais Atoms, c'est Zanani. Nani, Yaza, Atoms, Zanani. Non, ça, c'est le rôle de l'homme. Non, c'est pour. Attends, on va chuter, attends, voilà. Mais bâtonnier Wamba Diawamba, il prend l'article 220 de la Constitution où elle dit que bah, qui jamais qu'on révise. Elle dit Boyer. La Constitution, la modification de l'article 220 ne peut être possible que par voie référendaire, insiste le bâtonnier Wamba Diawamba. C'est-à-dire que si nous voulons maintenant changer la Constitution, il faut qu'on ait un référendum. Référendum est l'incolomanine. C'est-à-dire que tu envoies passer le peuple à l'appréciation par rapport aux articles. Bon, voilà, tu as là. L'article 217. Bon, le que la RDC a comporté qu'à partir à Bonsomi Naye, on a paix africaine. Bonsomi Naye, liberté Naye, ou bien ce qui est de très cher pour Naye, on a dit qu'on a paix africaine. Mais on a dit qu'on a États-Unis d'Amérique, on a dit qu'on a France. Mais on a dit qu'on a dit que Bango, il ne faut pas dire qu'on a Bonsomi Naye, on a paix américaine. Pourquoi qu'on a dit ça? Alors, ce qu'on a dit, article 5 de la Constitution, au moins, on a dit que. La population, vous permettez que je lise rapidement parce que allez-y rapidement parce que là on doit chuter dans 30 secondes déjà. 30 secondes oh, oui, nous sommes à la fin d'octobre. Il reste encore ma casse déjà. D'accord. Alors, l'article 5 de la Constitution nous dit ceci. Oh là là. Moi, en tout cas, ma grande question est de savoir, donc vous avez parlé du changement de la Constitution. Mais c'est quoi la motivation? Pourquoi on doit changer la Constitution? La Constitution, il ne faut pas changer Yango, parce que les gens qui représentaient les Congolais. La Constitution, ils ont acquis
fomenté, élaboré en France, en Belgique, en Liège, dans l'esprit, dans le corps, il y a des Belges. Tout ça, il y a des autoroutes dans le Congo. Belgique, il y a 6 millions d'autoroutes. Alors, quand on nous parle d'autres choses qui ne sont pas dans notre constitution, ça nous arrange en quoi? Plus de 10 millions d'autoroutes en France, ça n'engage pas les Français, les Congolais. Mais tant que vous avez l'article, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie référendaire. Maintenant, l'article 4 de la Constitution est le minimum. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par des recoupements par les conditions fixées par la loi. C'est quoi en concomitance avec l'article 51 au bazo le bac. Constitution de la République, j'ai dit rapidement. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et ça c'est bien. Et harmonieuse de tous les groupes ethniques. On parle de groupes ethniques. Deuxièmement, tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables. Donc, et des autres, les minorités, et ils veillent à leur épanouissement. Très bien, parle de minorités. Au Congo, nous avons 450 tribus. Nous n'avons pas de minorités au Congo. Tous les tribus. Mungala, Mutua, Mubembe, Mulumba, Mungala. Nous avons nous sur le même pied d'égalité. Alors, tant que nous avons préparé la balkanisation, Naminembwe, pour nous protéger un groupe minoritaire, les minoritaires, ce sont les Rwandais qui se disent des minoritaires. Parce que nous avons dit Mutua, ou bien Mudomandu, ou bien Pygmé, ou bien sont un groupe minoritaire. Nous sommes tous égaux. Nous avons quatre langues nationales, plus le français. Et là, je peux frapper ma poitrine pour dire. Nous sommes bien partis et la constitution, je demande à la population congolaise et nous devons la changer parce que ce n'est pas notre constitution. Nous sommes à la fin, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui et on se verra prochainement pour un nouveau numéro. Je dis encore merci à l'équipe technique, merci beaucoup aussi à vous docteur. Merci, tout le plaisir sont pour vous. Ok, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, je disais tantôt, on se verra prochainement, portez-vous bien.